agronome. Moi, c'est animateur dans Voix Paysan. Et surtout dans l'émission, j'ai des paysans qui lient à l'agriculture. Alors, formation, ça a un objectif qui bien spécifique. C'est aider le groupement GNMPPO, arriver dans les conditions pour produire des légumes, pour non seulement arriver à gagner des légumes qui a consommé, mais tout le monde en partie sur le marché qui a aidé à gagner une autonomie. Bon, pas de l'information, ça, c'est une nouvelle vie. Parce que tout ça n'est pas trop vrai, nous venons de nous, c'est comme si c'était écouté clair, il a parlé de l'expérience. Donc, pour nous devons s'acquérir les compos, nous devons s'acquérir les plaques-bandes, pour les cabanes de ça, nous devons les nouvelles qu'on a parlé, nous devons les financer les autres. Mais avec l'expérience de formation, ça, et nous devons dire, nous devons être prêts parce que le groupement nous est dans la sélection. J'ai une capacité pour produire des légumes et utiliser pour moyen par eux, utiliser les ressources que vous avez dans le milieu côté pour produire des légumes. Et vous avez une capacité pour non seulement faire pratique agricole, parce que nous surtout sommes fait formation sur l'agroécologie côté nous apprenons ensemble les principes agroécologiques, ensemble techniques. Vous avez une capacité pour faire plate-bande, pour faire tournage caoutchouc, pour préparer le médium, pour faire compost, et là, il va pratiquer l'agroécologie. Et ensemble, je vais retourner la caillou, capable de vulgariser connaissance sur ce terrain-là pour permettre l'autre jeune de gagner capacité ça tout pour produire légumes. Et MPP qui pourra continuer à assister ensemble, je vais dans la question de production de légumes. Alors, moi, pour retransmettre tout ça, je vais prendre l'information, tout ça, je vais moi. C'est ça, c'est mission ça. Alors, pour m'envoyer, c'est pour mal prendre et puis pour mon poté bail. Bon, normalement, il y a un point faible que nous estimons la formation en été gagnée. Et dans un premier temps, nous avons recevoir 10 groupements, c'est 9 nous avons rejoint. Et par rapport avec des problèmes, soit qui gagnent sur le terrain, il y a un groupement qui n'est pas devenu. Donc, pour moi, ça, c'était une faiblesse que l'idée. Mais après ça, le groupement qui vient, nous ne pouvons rien nous, nous reprocher. C'est des séries de monde qui sont responsables, qui prennent la formation en charge. Et nous allons continuer à former, juste nous arriver à atteindre l'objectif. Je vais apprendre un peu de bagaille. Je vais apprendre un peu de bagaille. Dans un premier temps, nous parlons de ça qui vient pour l'agroécologie. Et théorie et pratique agroécologie. Nous parlons avec eux sur la question de faire jardin, nous montrons comment faire la préparation du sol, nous montrons comment faire tourner le caoutchouc, parce qu'il y a un peu de caoutchouc que nous avons utilisé pour brûler et pour faire manifestation, mais nous-mêmes, nous avons fait des choses avec eux, nous montrons comment faire tourner le caoutchouc pour apprendre à faire jardin dans eux. Dans la cour, même si vous n'avez pas un peu de terre, mais dans la cour, la caillou, vous êtes capable de faire jardin. Et puis nous montrons comment faire plate-bande, nous montrons comment faire insecticide naturel, pour éviter de servir avec produits chimiques qui appuient ensemble avec maladies. Après, c'est ensemble de ça que nous apprenons dans la formation. Nous avons environ 18 délégués pour 9 groupements. Parce que chaque groupement a accès pour voir 2 mondes dans la formation. Normalement, en tant que jeune, et puis nous avons formé le groupement jeune, nous avons demandé à tous les jeunes de venir joindre nous. Et parce que dans MPP, il y a la vie, donc nous toujours dit. Dans 50 ans MPP qui passe, il y a une équipe qui travaille, qui permet MPP de vivre dans 50 ans. Et les gens ont commencé à entrer en âge. Donc c'est nous-mêmes jeunes qui va le remplacer. C'est pour ça que nous faisons appel avec tous les jeunes, n'importe qui côté ou à suivre nous, soit sur Facebook, Twitter, YouTube. Donc ou même tout qui a suivi nous à travers Radio Voix Paysan, nous faisons appel à eux, nous disons venez, venez joindre nous, MPP qui a une place pour vous. Donc l'autre 50 ans qui était avant, nous fêtons 100 ans MPP, 50 ans ça c'est moi et ma vie en tant que jeune qui va le préparer.